Bonjour, je m'appelle Thierry Thieu-Nyong, je suis danseur et chorégraphe. Je suis artiste associé à la MC 93 à Bobigny. Et dans le cadre de cette résidence d'artiste, j'ai travaillé pendant 2 ans à l'hôpital Avicenne, un hôpital assez merveilleux puisqu'il accueille patients et soignants de différentes cultures, de différentes langues, de différents territoires. Et la première année, j'ai eu la chance de travailler dans un service d'adolescents autistes migrants et venant d'Éthiopie, d'Égypte, du Congo, du Mali, de Corée, de Chine. Et la deuxième année, en chimiothérapie et en hématologie, j'ai suivi dans ces services, épaulé, aidé, guidé par les soignants, 12 personnes qui étaient en thérapie, en chimiothérapie, en soins palliatifs autour de la question du corps malade, du corps aidant, du qu'est-ce qu'un corps à côté d'un autre corps, qu'est-ce que la danse peut apporter. Et suite à ces 2 années, suite au confinement aussi qui m'a permis d'oser écrire, d'oser inventer, j'ai osé mettre par écrit le portrait de tous ces gens, mon portrait à travers cette rencontre, et d'oser écrire ce texte, donc Agapé, qui raconte cette histoire de mes rencontres dansées dans les chambres auprès des patients.